Je vais la partager moi-même. Bon, bonjour aux premières personnes connectées. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous me voyez? Je suis bien cadrée. Est-ce que j'ai changé de cadre là? Si vous me voyez, vous me dites oui, merci. Merci. Linda Keita. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous me voyez? Je suis assez cadrée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va bien là. Bon. Melissa Sanchez, comment vas-tu? Ok, bienvenue. Est-ce que... oui, je vais bien. Ami Fofana. Oui, je vais bien. Gladys, merci pour ton direct. Merci beaucoup. Ok. Comment vas-tu, monsieur ou madame l'Allemande? Bon. Oui. Hortense Kouakou, comment allez-vous? Vous me voyez bien? Est-ce que la luminosité est bonne? Est-ce que je suis assez bien centrée? Ok, vous me voyez avec mon petit chapeau, oui. Je suis là pour souhaiter joyeux anniversaire, mais joyeux anniversaire spécial au couple Kamagaté, à monsieur Kamagaté, pardon. Surtout à monsieur. Voilà, merci beaucoup. Je vais nous mettre une petite chanson. Mais trop belle, réponds-moi un jour, maman. Élise Ayanwe. Ok, d'accord, elle dit pour moi. Ok, d'accord, je vais. Ben, laisse-moi. Oh, Bertine Payet, bonjour ma chère. Bonjour, j'ai pas eu le temps, je vais mettre l'affaire dans un cadre et puis je vais me trouver un endroit pour faire ça. Ok, vous me voyez bien, ben, je vais nous mettre une chanson d'abord, le temps que vous partagez. C'est ce qu'elle dit là, direct de Congo, ça. On a fait hier. On a fait hier. À minuit, heure d'Abidjan. 1h du matin, heure de Paris, il y avait des adultes, près de 4700 sur le direct. Ce sont les sujets qui nous intéressent là, c'est de ça en parler. Merci beaucoup. Bon, je n'avais pas encore ouvert la bouche pour parler, on avait mis l'écran de moi. Donc, c'est qu'on connaît. Partager, hein, partager. La façon dont on s'est donné le droit aussi de venir donner un droit de réponse ou bien de dire que bon, on s'en fout, c'est la même chose. Donc, je vais nous mettre une chanson de mon artiste Zouglou préféré, comme je vous ai toujours dit, hein. Je reste toujours dans ma même logique. Voilà. Vous profitez. Hey, Lauriane Bayro, comment vas-tu? Vous profitez pour partager. Aïe, ah, ils savent d'ailleurs ce qu'elle dit, c'est pour ça qu'ils mettent tête de mort, mais moi, il fait rien à ça. Si elle met tête de mort, vous savez quoi faire? C'est l'anniversaire de mariage du couple Kamagaté. C'est comme ça qu'ils ont voulu qu'on fête leur anniversaire. Donc, on va fêter ça comme ça pour leur donner. Oh, hey, hey. Chacune son mari, oh, cherchez pour vous, oh. C'est pas pour toi, oh. Madame, 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 madame. Moi aussi, c'est sa maîtresse. Elle a maintenant. Elle aime le chic. Elle est pour le choc. Et elle t'adore le chic. La sorcellerie. En pleine capitale. Une maman. Partagez, partagez dans les groupes. Hein? Partagez, forcez, le direct va arriver à lui. Ça arrive là-bas. Son mari, oh. Madame Mimea, oh. Madame oh. Madame. Aïe, tu connais? Métier. Aïe, il
Ton mari. Peignez le coiffure, c'est attachement que vous aimez, c'est ça, c'est ce que nous tous on aime. Aïe, j'ai dit qu'il était minuit en Côte d'Ivoire, 1h du matin à Paris, près de 5000 personnes sur le direct. Et moi, vous avez venu me faire les remarques que j'aime Congo ça. Moi, au moins, je mélange un peu. Je fais immigration, je fais sensibilisation, et puis je fais un peu de Congo ça. Mais vous êtes partout, donc vous donnez ce que vous aimez. Merci beaucoup. Vous savez que moi, je suis... Bazarami. Bazarami, là. Bon, merci, merci, bonsoir à tous, bonsoir mes impactés, bonsoir à ceux aussi qui me découvrent la première fois. Je suis Monica Z, l'impacteuse, la canadienne, la seule impacteuse canadienne qui parle. Nous sommes nombreux ici, hein? Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes au Canada qui parlent, mais moi je suis spéciale parce que j'ai ma part. Hein? Quand il prend le dossier immigration, là, il maîtrise ça. Si il dit aussi, il rentre dans Congo ça, comme ce soir là, je suis d'un puissant Congo ça. Le chapeau qu'il a mis sur ma tête là, c'est pour souhaiter joyeux anniversaire à Monsieur Kamagaté. Hmm? Alias, comment il s'appelle? Ah, donnez-moi son nom, alias... Congo ça aussi, on veut faire, on a oublié le nom. Monsieur Kamagaté, alias l'homme saga. Voici son nom là qui est là. C'est pour toi que j'ai mis ce chapeau là. On vous dit que le mariage là, c'est pas une institution banale. Vous pensez que c'était la blague. Ton jour d'anniversaire de mariage... Tu as préféré faire Congo ça. On a eu, il y a eu des problèmes, il y a eu des, une situation. En tant qu'un homme responsable, moi quand j'ai vu Vital sortir hier, je me suis dit que il paraît que le monsieur demain, c'est son anniversaire de mariage. Il ne va pas venir tomber dedans. Non, monsieur a préféré prendre, ça dit que la voie de Congo ça. Monsieur a préféré prendre la voie du rabaissement. Hein? Tu as dit dans ton direct, hein? Toi tu t'en fous. Tu es prêt pour descendre dans la poubelle. Monsieur le brouteur, monsieur Kamagaté, alias, comment il s'appelle? Ah, c'est aujourd'hui, j'ai pris le temps de le découvrir, alias quoi là? Donnez-moi son nom. Alias le brouteur, le quoi. Oui, tu es venu, tu as parlé, tu as dit ce que tu avais à dire. Vous savez, dans ce dossier-là, nous autres, on n'a pas réagi depuis quand ça a commencé. Mais afin de parler sur les réseaux sociaux-là, sans dire le nom de quelqu'un là, ça c'est une stratégie depuis longtemps. Il y a des vidéos même en fait. Souvent, quand tu écoutes, tu sais que c'est de toi qu'on parle. Mais comme on n'a pas dit ton nom, moi j'ai dit, si elle veut te répondre là, il y a deux indices. Soit tu dis l'impacteuse, ou bien tu précises sur ma vidéo, la femme qui parle au Canada là. Quand tu dis ça là, c'est que je sais que c'est de moi que tu parles. Si elle veut te répondre, si elle veut te répondre pas. Mais monsieur, tu as préféré, ça dit que tu as décidé, tu avais oublié qu'à un moment donné, quand on est marié là, quand on a une vie de famille là, on essaie de dissocier sa vie extérieure avec sa vie intérieure. Oui, ta vie intérieure d'homme marié là. Tu n'as pas voulu, ça dit que tu as voulu tout mélanger. Aujourd'hui, c'est ton jour de mariage d'anniversaire. Au lieu de répondre à Vital par une action d'un homme mature. Un homme mature, c'est quoi? Vital a fini de faire son direct hier nuit. Si tu étais un homme mature, j'ai dit que le mariage, c'est pas n'importe quoi. Le mariage, là, c'est pas on se lève pour aller, ça dit qu'il se marie en robe blanche et puis on porte son costume. C'est pas ça qu'on dit qu'on est marié ou bien c'est pas ça qu'on dit qu'on a une vie de famille. Tu prenais ta famille ce soir-là, tu partais d'un restaurant chic aux deux plateaux ou bien à Cocody, juste avec ta femme et tes enfants, tu auras donné une réponse intelligente. Mais monsieur n'a pas voulu ça. Monsieur a voulu qu'on descende dans la poubelle. Nous autres là, on est venus descendre dans la poubelle avec toi. Et on est venus descendre parce que tu n'as pas été mature. Ça dit que quand les problèmes ont commencé entre Vital et ta femme, nous on a regardé ça de loin. On s'est dit ça c'est le Congo ça, entre les femmes. C'est des trucs entre les femmes, bon, elles vont faire, elles vont partir. Mais non, tu as préféré venir prendre place dedans. Tu t'es senti bien dedans. Tu t'es senti, et puis quand tu parles, oui, si vous êtes, pour la personne qui doit me répondre, doit être une personne mariée légalement. Mais attends, le mariage légal là même là, il y a quoi? Vous êtes le seul couple qui est marié en Côte d'Ivoire là-bas. Vous êtes le seul couple. Les gens se sont jamais mariés. Et puis vous vous êtes mariés, et puis aujourd'hui, c'est toujours vous qui êtes à la place publique.
Mais je vais, ça dit que pour comprendre ce problème, les gens disent que oui, Vital, c'est elle qui a provoqué, Vital aime faire ça, mais ta femme aussi là, hein, ta femme, oui, avec ses jolis yeux de chat, comme on lui a dit là, ta femme aussi, c'est une femme qui est sournoise, elle lance aussi des pics à Vital. Imparable là, il y a deux façons, il y a ceux qui sont fougueux comme nous, comme les Vital là, qui venons à la place publique et puis nous on dit pour nous. Mais ta femme là-haut, quand elle a fini de se marier et puis elle est devenue coach pour la, ça dit pour la circonstance là, les commentaires qu'elle faisait dans ses directs quand elle faisait coaching là, coaching à d'amatrice qu'elle faisait là, le coaching d'amateur qu'elle faisait quand elle était enceinte là, les pics qu'elle lançait là, c'était à qui qu'elle lançait? Elle lançait les pics là à qui? C'est pas à Vital qu'elle lançait les pics, c'est à Vital qu'elle lançait les pics. Donc ça veut dire qu'il y a une situation fragile entre les deux depuis longtemps. Donc toi, en tant qu'un homme responsable, en tant que quelqu'un qui a des couilles, en tant qu'un père de famille, oui tu te réclames père de famille, en tant qu'un père de famille, quelqu'un qui a une vie de famille désormais, tu rentres même pas dans ça. Ça dit que hier là, moi je pensais aujourd'hui que ça dit tu allais nous montrer un autre côté du scénario, mais tu es venu descendre plus bas que terre. Mais le fait que tu sois descendu plus bas que terre là, ça remonte de ton éducation. Je dis que aujourd'hui quand je regarde ton direct là, ça dit c'est comme si je me serrais le cœur pour regarder ton direct. Ça dit quand tu parlais, je te regarde, je dis mon Dieu. Ça dit que j'avais tellement voulu te répondre que j'ai dit non, il faut que je termine tout son direct pour voir de quoi il parle exactement. Toi, tu es rentré dans le fait de j'ai couché avec toi tel jour. J'ai dit, même si tu n'aimes pas quelqu'un, si tu n'es plus avec quelqu'un, il faut arrêter de mentir. Quand Vital a fait son anniversaire de son enfant, et puis moi j'ai quitté en Côte d'Ivoire là, elle avait une chambre pour son enfant. Son enfant, bébé Freddy Clinton là, on est parti, on a fêté son 1 an d'anniversaire. Cet enfant là avait une chambre à lui. Sa maison là, il y avait comment vous appelez ça? 3 chambres-salon, une chambre pour elle, une chambre pour sa petite soeur. En ce moment, elle ne vivait pas encore avec ses frères. Avec une chambre pour elle. On est parti à l'anniversaire de bébé Clinton quand il avait 1 an. Donc, tu ne peux pas venir mentir à la face du peuple, à la face des Ivoiriens, que toi, elle a sorti son enfant et puis toi, elle est rentrée pour coucher. Je dis que tu es d'une bassesse sans nom. Tu manques d'éducation. Tu es un garçon perdu. Je ne sais pas dans quelle famille tu as été élevé. Je ne sais pas tu es l'enfant de qui. Mais tu as un problème d'éducation. Tu comprends? Mais quand je te regarde, et puis je regarde la femme à laquelle tu es, c'est congolais et sa sauce. Je suis enrhumé. Attends, je bois un peu d'eau. Vous savez ce qu'on appelle congolais? Congolais là, c'est une pâte noire comme ça. Le congolais là, chez nous les gens de mon dialecte là, quand on prépare ça là, on met un peu de djunglé dans la sauce. Donc le congolais est déjà noir. Et puis la sauce là, si tu as mis djunglé là, la sauce va brunir. Donc le congolais et puis sa sauce. Kamagate Suleiman, alias quelque chose saga, l'homme saga. Celle que tu as mis dans la maison, et puis tu la mets sur un certain firmament, et puis tu la mets au sommet, et puis tu viens descendre certaines femmes. Elle est plus Vital là. Elles sont pareilles. Ta femme n'est pas mieux que Vital. Tu as pris seulement celle-là parce que tu t'es retrouvé en elle avec la religion. Elles ont mougou même gala ensemble. Elles ont dit ça. Donc, ce qui s'est passé, comme on dit, c'est le passé de ta femme. C'est pour ça que tu ne dois même pas rentrer dedans. Mais tu as voulu rentrer dedans. Nous aussi, on va descendre avec toi. Et on va descendre. Parce que quand toi, tu parlais là, c'est comme si Vital n'a pas de parents. Oui, elle est orpheline. Mais nous autres là, c'est notre personne. Hein? Vital, c'est ma personne. Je viens pour la défendre contre toi. Je n'ai jamais défendu Vital contre une maman Sarah. Parce que je sais que ça, c'est le truc des femmes. Tu as fait ton choix, ça s'arrête là. Mais de là, ce que toi, on a dit que non, tu as éjaculation précoce. Donc, monsieur se permet de venir descendre. Je dis, de venir salir pour toi. Tout ce que tu étais venu dire, ça avait du sens. Mais quand tu étais en train de parler, ça dit, je voyais des femmes qui lançaient des cœurs sur ton direct parce que tu étais en train de faire du bon travail. Tu es un immature. Tu es un inconscient. Tu es un homme. Ça dit que tu es débalancé dans ta tête. Tu parlais, j'ai mon air. Quel argent tu as? Et c'est aujourd'hui, j'ai su que toi, tu t'es présenté comme le maire de Cocody. J'ai dit, quel Cocody ça? Cocody Abidjan, toi, tu t'es présenté là-bas? C'est aujourd'hui, j'ai appris ça. Je dis, mais attends, vous êtes sérieux là? On dit, oui, il s'est présenté. Cocody,
Quoi qu'on dit des grands, grands, grands avant, ou quand nous on partait chez nos oncles, quoi qu'on dit, tu as tellement peur de rentrer dans leur maison. C'est de quoi qu'on dit, toi tu étais, mais je dis que la Côte d'Ivoire est tombée plus bas que terre. La politique ivoirienne est devenue du niam ciel. Celui-là s'élève, c'est toi aussi, brouteur de ton état. Toi aussi, tu étais mère de quoi qu'on dit, maman, niamé. J'ai dit, quand on m'a dit ça aujourd'hui, je pensais que c'était un rêve. Tu sais pourquoi tu manques d'éducation? Même dans ton direct d'avant-hier, ça dit, tu te rends même pas compte. Tu t'as dit le nom d'une fille, une chroniqueuse, elle à qui toi tu as couché. Tu t'as dit son nom d'un direct où tu es en train de parler à Vital qui n'a rien à voir avec ça. C'est une question d'éducation. Qui vous éduque? Qui sont ces gens qui vous donnent de l'éducation? Parce que quand tu as l'éducation, tu as une certaine retenue. Quand j'ai eu mon scandale sur les réseaux sociaux, malgré qu'on m'a attaqué de partout, je vous ai dit, c'est l'homme avec lequel j'étais. Il dit, chérie, tu ne vas jamais répondre à ça. Un homme, tu dois avoir, ça dit, un homme, tu dois être plus fort que la femme. Mais on voit ta bouche, elle a plein d'un chingom. Tu parlais, je suis un joli garçon. Joli garçon de quoi? Amouni, hein? Joli garçon, toi. Hé, hé. Les filles d'Abidjan, vous n'avez pas peur. Vous, les filles d'Abidjan, votre affaire d'argent, Vital, toi-même, tu te regardes là. Lui, là, c'était de ta catégorie. Hein? Toi aussi, la jolie chroniqueuse, là. On a dit ton nom, là. Maman, je t'ai respecté. Il n'y a même pas dit ton nom. Vous êtes sorti. Vous aimez tellement l'argent que on vous montre petit bout de l'argent, là. Vous partez à des hommes qui ne vous ressemblent pas. Vous regardez ce monsieur aujourd'hui qui vient descendre les femmes sur les réseaux sociaux, là. Vous le regardez, ce monsieur, il vous ressemble? J'ai dit que celle à laquelle il ressemble, là, c'est elle, il a pris congolais à sa sauce. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dans mon petit coin où je suis assise ici. C'est pas possible. Un monsieur se donne des airs, il se donne de la contenance. Moi, toi, tu es qui? Quand vous parlez là-bas, là, j'ai mes maisons, j'ai tant. C'est aujourd'hui, on va entendre que la maison où tu vis là n'est pas pour toi. J'ai lu ça à 400 000. Il n'y a pas de propriétaire. Taisez-vous sur les réseaux sociaux. Hein? Fermez vos bouches là-bas. Toi et ta femme, quand vous êtes en train de parler sur les réseaux sociaux, là, c'est comme vous avez déjà des immeubles à Abidjan. Gars, vous êtes dans des maisons de location et vous venez empester la toile ici. Vous venez empester. Toi, tu faisais la politique. Non, j'ai fait ma politique. Hier, tu as dit non. Je suis maintenant concentré sur la politique. Aujourd'hui, non, je laisse la politique. C'est parce qu'on t'a gouin dans la politique. Au cas où, on t'a gouin de la politique là-bas. Mendiant politique. Tu es mendiant. Tu as quelle formation de politique? Tu es qui? Et puis, on a été considéré. C'est le nom que toi-même, tu voulais te donner. Tu voulais te donner un nom dont tu te frottais aux gens là-bas. Comme on les appelle ici, les stouleurs qui viennent à côté des gens pour faire les bateaux pour qu'on leur donne. Tu fais quel travail? Tu as quelle formation de base? Hein? L'homme sagace, c'est à toi, je demande. Tu as quelle formation de base? Tu es qui là-bas? Mon green et mani, tu es qui? Ah, la grippe en train de me fatiguer. Partage le direct, tu vas recevoir. Excusez-moi, c'est la grippe qui me fatigue. Partagez, il va recevoir. Mon argent, quel argent? L'argent de broutage des gens. C'est parce que les filles n'ont pas. Ça veut dire que les filles d'aujourd'hui n'ont pas de crainte. Hein? Elles n'ont pas de crainte. Sinon, c'est cet homme-là qui a venu dénigrer une femme. C'est un homme comme ça, un homme de sa trempe. Toi, là, tu as venu dénigrer des femmes. Hein? Et tu te mets à parler. Non, moi, elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Hey! Mais qui es-tu, toi? Tu n'es qu'une racaille. Parce que quand moi je t'ai regardé là, il y a quoi de bon en toi? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Tu as voulu descendre une femme. Moi, eh bien, je te descends aussi. Je te descends. Parce que Vital, c'est ma personne. Je ne peux pas accepter. Si c'était un Vital et puis Ami Sarah là, je n'avais pas mettre ma bouche. Il a dit, oh, ça c'est le haut des femmes. Mais toi, tu sors là-bas. Jour d'anniversaire de ton mariage. Tout ce que tu dois faire, tu t'habilles d'un beau costume. Tu prends tes enfants avec ta femme, vous partez dans un restaurant, vous mangez, tu juges pas même pas beaucoup. Vraiment, mes abonnés, tout et tout, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mariage de ma femme et moi, on vous souhaite. Il a dit, le discours était mort. Maintenant, monsieur a voulu venir se faire Django, tu as voulu te faire le bras du film. Mais dans ça là, il y a des femmes aussi comme nous, qui ne pouvons pas accepter que tu viennes descendre une femme, pendant que toi tu protèges pour toi là-bas. Hey, parce que Vital n'a personne derrière elle, comme tu le dis.
Elle n'a personne derrière elle. Même si elle n'est pas mariée, elle est une femme. Et puis nous autres là, on aime Vital. On aime Vital. Donc nous, on vient la défendre vis-à-vis de toi. Qui es-tu toi? Hein? Tu es qui? Tu es qui? Et puis on te voit. Tu as dit que tu occupais toute la toile aujourd'hui. C'est toi seule. Tu as dit, tu sortais la fille, mais elle ne savait même pas qui tu étais. Regarde comment tu es venu la dénigrer. Tu es venu dénigrer Vital là-haut. Ta femme est mieux que Vital. Hmm? Tu es venu la dénigrer là-haut. Ta femme, elle est mieux que Vital. Les deux sont pareils. Les deux ont même historique sexuel là. Hmm? Je te dis, elles ont même historique, elles ont le même bagage sexuel. Tu comprends? Une prostituée, on peut la prendre et puis on la marie, on la fait asseoir à la maison. Moi, c'est pour toi, c'est correct. Toi, tu dis que Vital était une comment on appelle ça, une géreuse de busy. Et pour toi, ta femme là, tu prends le Coran, le Coran. Le Coran là même n'a pas dit que marier femme vierge. Le Coran vous a dit que de prendre des femmes que d'autres hommes aussi ont déjà beaucoup pour les prendre. Ça, c'est quand votre Coran. Arrêtez un peu de venir jouer. Parce que ces temps-ci, on a vu que c'est ce qui est à la mode. On prend Coran ici, on prend Bible ici. Arrêtez ça. Tu comprends? Ton choix s'est porté sur ta femme. Tu la prends, tu la gardes. Ça finit là. Vous menez votre vie, vous restez là-bas. Vous venez pas pour venir insulter les autres. Toi qui es l'homme, toi tu viens l'insulter et tu croyais que ça allait passer. Tu as dit que ça c'est épisode 1. Nous autres là, on attend. Tu as sorti de l'épisode 2. On a sorti aussi sur toi. Tant que tu viens pour descendre Vital, pour venir insulter un enfant, une enfant de quelqu'un, tu peux venir insulter l'enfant d'autrui parce que pour toi, elle n'a personne. Quand tu étais dans l'intimité avec elle là, c'est comme ça que tu la dénigrais? Est-ce que c'est comme ça que tu la dénigrais? Tu es tombé plus bas. Je ne sais pas qui tu étais. Pas quand il dit tu es tombé plus bas que tu es. On dirait que tu étais en haut et puis tu es descendu. Tu n'as jamais été en haut. C'est parce que la Côte d'Ivoire ou bien l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent où ça dit on accorde de l'importance à des gens qui sont rien. Et en Afrique, là, il y a ici, c'est ici, là. Tu passes dans l'air. Tu passes dans la neige. Tu passes dans le froid. On ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Mais c'est en Afrique, là-bas, vous faites les lèche-bottes, les ouya-ouya, les nyamselè, les adokaflè, tout ça se donne de la contenance en Afrique. Qui es-tu, toi? Tu es qui? Tu es qui? Et quand il y avait la politique, on voyait, tu sortais, tu faisais ça. J'ai dit, mais lui, c'est qui? C'est qui, lui? Et puis, il parle, tu n'as aucune expérience. Retourne à l'école. Hmm? Ben, c'est difficile de suivre tes directs. Hmm? Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Souvent, ils font des directs, ils mettent dans l'humour. Ça fait rire. On a envie de les écouter. Hmm? Il y a des gens, tu comprends? Moi, j'ai un sérieux problème avec des gens qui ont un problème avec le français rouge bordeaux. J'ai un sérieux problème. Des gens qui veulent faire un ils connaissent alors que le français est difficile là. Ce matin, c'était un supplice pour moi de t'écouter. Mais comme tu avais insulté ma fille, tu es venu dénigrer ma fille, j'ai dit, la fille de Z, c'est ton cœur, tu as écouté son direct. J'ai écouté ton direct. Quand j'ai fermé mon bureau, je suis venu sur toi. Je suis venu pour te dire. Puisque tu as dit, il y aura des épisodes. Dis-toi que il y a des femmes comme nous autres là, on va attacher notre kissou et puis on va rentrer dans l'épisode avec toi. Aujourd'hui, on va rentrer dans cet épisode là avec toi pour que tu comprennes que quand tu es un homme marié là, il y a la responsabilité qui vient avec toi. Tu restes avec ta femme. Tu as compris? Tu as dit que la musique n'intéresse plus ta femme. Donc où est le problème? Toi-même tu as dit que non, elle ne fait plus la musique, elle fait son argent en train de vous vanter. Vous pétez plus haut que vos fesses là-bas. Vous n'êtes rien là-bas, mais vous vous donnez de la contenance. Vous vendez le rêve sur les réseaux sociaux. Donc, tu avais fait un broutage là, tu n'as pas maison. Tu avais fait un broutage, tu prétendais avoir l'argent là. Attends, c'est pas le monsieur dans l'affaire de quand le jeune homme était décédé. Vous savez, je n'aime pas dire son nom à cause de la douleur de sa mère. Hein? Le fils de ma grande Cétina là. C'est pas lui, la nuit avec l'affaire des pasteurs et puis on a dit son nom. C'est pas toi? C'est toi, c'est bien toi. J'ai dit que tu te donnes de la valeur. Tu te donnes de la valeur. C'est quand chez nous, on dit que ça dit que les femmes, même souvent, elles ne se regardent pas. Ça dit, regardez-vous un peu avant d'aller avec les hommes. Parce que ça vous rattrape après. Et des gens qui n'ont pas d'éducation, on ne sait pas qui ils sont. Ils sont de quelle famille, on ne les connaît pas. Et ils viennent, ils s'accrochent. Non, moi j'ai un lien, j'ai mon lien. J'ai dit, c'était dur pour moi de t'écouter. Ouh là là, j'en ai souffert cet après-midi. J'en ai souffert terriblement de t'écouter. J'ai dit, mais tu es obligé de l'écouter. Si tu veux parler de ta fille, il faut que tu l'écoutes.
Vraiment, si ma fille même venait à lui, là, ma fille vitale venait à toi pour dire, maman, voici mon mari là. J'allais la chasser, va encore tourner. Tu comprends? Va tourner encore. J'ai dit que ce que tu as eu que dans ta maison là, c'est commandé à sa sauce. Elle aussi, elle a tourné. Elle a tourné quand maintenant là. Elle a réagi à gauche, à droite. Elle a pris pour elle. Nous, on la félicite. Hein, on la félicite. Mais ne faites pas comme si dans ce conflit-là, c'est vital ce qui est le problème. Elle aussi, elle est responsable. Comme j'ai dit là, hein, elle aussi, elle fait nouin nouin. Hein. Il y a des gens comme ça. Quand il y a parlable là, ils font comme si, chez nous, on dit, tu as fini de manger, puis tu essuies ta bouche. C'est ça que Bamba a mis ça là. Hein? Elle est mange, hein? Dès qu'elle a fini, elle essuie sa bouche. Elle se met dans sa position. Quand on voit, c'est vital. Comme vital, elle, son sang est chaud comme moi ici là. C'est toujours elle. J'ai dit que si vous êtes mariés, gérez votre vie de couple là-bas. Hein? Gérez votre vie de couple. L'éducation des enfants là, c'est quelque chose. Il y a des directs, même elle faisait quand elle était dans sa grossesse. Non, si tu es marié à une star, la vie des stars, ça s'arrête. J'ai dit, mais celle-là, pour qui elle se prend? Tu as donné compte pour la circonstance. Pas on t'a marié. C'est vous là qui faites souvent que certaines femmes qui ne sont pas mariées ne se sentent dans des positions de vulnérabilité. Ça veut dire que tu as eu pour toi là, tu fais comme si celles qui ne sont pas mariées, il y a problème avec ça. On n'est pas mariés et puis il y a quel problème? Il y a quel problème? Et puis à cause de qui on va narguer d'autres femmes? À cause de quelqu'un? C'est qui lui? L'homme saga là, il est qui? Il est qui là-bas? Maman, chez nous on dit il est qui là-bas? Et puis on passe ici, c'est toi, on va ici, c'est toi. Partager, il va recevoir. Comme il a dit, c'est un championnat là. Allez lui dire là-bas, l'impacteuse canadienne dit, faut attacher ta ceinture. Parce qu'elle va attacher son tissu. Dans l'épisode 2 là, je vais me mettre en tenue traditionnelle pour venir défendre ma fille. Dites-lui ça. Pata, il va recevoir. C'est quoi? Et tu viens, tu la vilipendes. Non, tu es venu me dire que tu étais enceinte. Moi, je suis là. Toi, tu... Attends. Dénigrer la fille jusqu'à ce point. J'ai dit que si c'est un toi et puis Vital est ta femme, moi, on ne met pas notre bouche dedans. On s'est dit, c'est les trucs entre les femmes, elles vont faire quand ça va finir. Mais toi, tu viens te mettre dans le championnat. Comme tu as dit que tu as venu la descendre et que tu as 4 autres épisodes que tu as mis dessus, ça a fait 8 là. Nous, on attend. On attend ça. On attend. Si d'autres sont contents, pour que toi, tu viennes dénigrer une femme, tu viens, ça dit qu'une femme à laquelle toi, tu as couché, tu viens la dénigrer. Et c'est ça, c'est à faire de venir défendre sa femme. Tu as venu faire direct pour défendre ta femme. Je dis que, ça dit que vous dites que vous avez voyagé. J'ai voyagé quand il était pas dit. Voyager là, c'est pas venir en vacances. Côtoyez-vous aux gens qui ont de l'expérience du mariage. Va prendre des cours chez des coachs qui font du coaching sur le mariage. Tu as encore besoin d'expérience, l'homme saga. Toi et ta femme, vous avez besoin d'expérience. Ça vous prend encore de la maturité. Hein? C'est pour ça qu'on vous dit que le mariage, c'est pas une institution banale. Le mariage, c'est quelque chose. C'est comme c'est des piliers qui sont là. Il faut les implanter. Tu comprends? Ça dit, ton comportement a montré que, ça dit, tu es dans un foyer, mais tu n'es pas encore mature. Et tu te vends. Non, c'est parce que j'ai changé qui tu étais même. Tu étais qui? On dit que tu étais un brouteur. Et dans le temps même, tu t'es réclamé. Tu es un brouteur. C'est cette image-là qui t'est collée. Si tu as pas de qui tu veux. Et ce monsieur-là s'est présenté à Coco dit, j'en rêve. J'hallucine. Hein? C'est comme ça là-bas, le pays est venu. N'importe qui se lève maintenant, il fait ce qu'il veut quoi. Toi aussi. Toi comme ça. Tu vas te présenter comme maire de Coco dit. On n'a même pas dit maire de mon village à Zoukoubé. Hein? Si c'est à Zoukoubé, moi, on peut dire Coco dit. Hey, je rêve là. Je n'en vois pas n'importe qui devant ma maman. Tu vois comment tu es. Tu vois comment tu es condescendant. Tu as vu comment tu étais condescendant dans ta vidéo aujourd'hui. Je n'en vois pas n'importe qui devant. Mais toi-même, tu es qui? Qui es-tu, toi? Pour que toi, tu méprises. Franchement. Comme tu as dit qu'il y a un épisode qui arrive là. Partage ce petit épisode-là d'abord. J'attends. J'attends. Tu as dit que tu es garçon. Tu es garçon de chez garçon. Moi, j'attends. Quand le pasteur, il attend là. Il a pas dit j'attends et puis après, j'ai dame. J'attends, faut sortir. Hein? Faut sortir. Nous aussi, on a sorti sur toi. On va pas te laisser. Hein? On va pas te laisser. Tu as pris l'autre juste parce que, bon, elle est de ta religion, tu l'as vu, tu l'as aimé, c'est correct. Nous, on respecte votre couple. Mais tu as venu insulter une femme publiquement. Hein? Tu as venu l'insulter. Il y a quel problème? Oublie-moi. Toi-même, tu fais l'amour jusqu'à où? Et puis, on ne peut pas t'oublier là. Mais il y a quoi? Il y a quoi?
C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est les gens d'hommes là. Quand ils se sont séparés, elle, l'ex là, tout ce qui s'est passé, elle, ça là, on va voir là. Il a pris tous les secrets de Vital là. Ça est dans la main de sa femme là-bas. Même si Vital a dit ta femme et elle ont fait partout, ta femme et elle ont fait quoi? Ça, tu dois même pas considérer ça, tu dois même minimiser ça. Non, monsieur s'est dit que non, toi tu es le bras d'Aris, tu es le Cassis Clay, tu es le MacGyver, donc toi tu viens. Attends, attends. Tu dis que tu es un garçon, non? Nous on t'attend, faut sortir. Reçois encore sur Vital, je vais attacher. Ça dit que je vais être prête sur toi. Je vais être prête, j'ai sorti sur toi. Quand il est sorti sur toi, là, tu vas respecter. N'importe quoi, je t'ai appelé ici. Je t'ai appelé ici. Quand il faisait les directs, il insultait là. Vous mettez les cœurs là-bas, non? Donc, façon, vous mettez les cœurs là. Si vous venez ici là, c'est qu'elle est en train de dire là. Si ça ne vous plaît pas, vous les gardez et puis vous passez votre route. Vous passez votre route. C'est tout. Tu as marié ta femme, tu vis ta vie là-bas. C'est quoi? C'est un couple hollywoodien ou bien? Aïe! C'est qui? C'est Jay-Z et Beyoncé? Et puis, on ne peut pas respirer. Mais elle est mariée légalement et puis mariée légalement et puis quoi? Et puis quoi mariée légalement? On n'a pas encore vu quelqu'un se marier légalement en Côte d'Ivoire. Vous êtes le seul couple connu là-bas qui s'est marié légalement? Franchement, il te faut encore du temps. Ça te prend du temps. Partagez mon direct. Comme il a dit qu'il va ressortir sur Vital. Nous on attend. Donc aujourd'hui là, c'est ton joyeux anniversaire de mariage que tu as voulu là. C'est ce qu'on te donne aujourd'hui. Ça, c'est épisode 1. Je m'ai donné mes coups. Il y a mes petits Indiens qui m'attendent là-bas. Je m'ai donné mes coups. Partage le direct, il va recevoir ça. Voilà, c'est ça qui est là. Sur ce, je vous dis bonsoir. Et puis, on attend. On attend le deuxième épisode. Ben, il a dit dans le deuxième épisode, je pense qu'il va avoir 8 chapitres, quelque chose qu'on attend. On attend. Tu dis que tu es garçon, faut sortir. Faut sortir. Ce qui était là, nous aussi, là, on a fait sortir ça. C'est quel problème? Il y a quoi? Il y a quoi? Les trucs de femmes là-bas, tu pourrais minimiser? Non, toi, tu sors, tu la descends, tu l'insultes. Attends, je laisse comme ça. Si je prenais soin de vous, on est ensemble. Moi, j'attends. Je suis là, non, j'ai fini mon travail, j'ai fait mon bureau. Si tu es sorti demain encore sur Vital, même heure demain, rendez-vous. Si ce, ciao, ciao. Au revoir.